Les 2 années dont avaient parlé les messagers de Dieu touchaient à leur fin. Il ne manquait plus que quelques jours pour que les affaires si compliquées soient complètement réglées. Les pensées concernant le proche avenir surgirent dans l'âme de Mohamed. Comment sa vie allait-elle se dérouler désormais? Dieu n'avait-il pas encore besoin de lui? Depuis quelque temps déjà, il demandait dans ses prières de continuer à être guidé, à recevoir des indications et des directives. Mais malgré ses demandes et ses supplications, rien ne venait. La nuit précédant son départ, il eut l'impression de voir le pieux frère Cyril le chercher des yeux. Serait-ce un signe? De toute façon, il voulait faire un léger détour pour se rendre chez lui. Peut-être était-il toujours en vie. Le lendemain, il se sépara de sa suite à laquelle il fit prendre la route directe pour chevaucher seul en direction de la petite ville. Il eut au fait d'atteindre la maisonnette du pieux frère. Cyril, debout sur le pas de la porte, observait l'étranger avec curiosité. Soudain, la silhouette usée par les ans s'anima. Il tendit joyeusement les bras vers l'arrivant et lui souhaita la bienvenue. « Que je suis heureux de te revoir, mon fils !» s'écria-t-il débordant de joie. « Tu m'as beaucoup manqué. Tu es devenu un homme à présent. » Mohamed descendit de son cheval qu'il confia au voisin, puis il entra dans la petite maison qu'il connaissait si bien pour y avoir vécu pendant 5 années. Cyril le pria de raconter ce qui lui était arrivé. Il voulait tout savoir. Lui-même avait peu de choses à relater. En revanche, pendant ces années de séparation, il lui était venu à l'esprit une foule de bons conseils qu'il regrettait de ne pas avoir donnés à son élève. À présent, il pouvait encore le faire. Les heures étaient trop courtes pour ce qu'il avait à dire, car Mohamed voulait rejoindre sa suite avant la tombée de la nuit. Il se mit en route, mais le pieux frère le retint encore en disant « Mohamed, mon fils, écoute, il faut que tu te maries, sinon tu ne pourras jamais être véritablement un instrument de Dieu. Crois-moi, je sais par expérience personnelle qu'un homme seul n'est pas complet. Il ne peut vraiment comprendre l'humanité que le jour et la nuit même, femme et enfant. Il est également préférable pour lui de ne pas traverser la vie en solitaire. Crois-moi, mon fils, ce conseil est bon. Suis-le. » Ils se firent leurs adieux. Le visiteur partit en toute hâte et ne rejoignit qu'assez tardivement le camp que ses compagnons avaient dressé entre-temps. « Nous nous faisions du souci pour toi, maître, » dit l'un des serviteurs. « Mais Saïd nous a assuré qu'il ne t'était rien arrivé. Il était si sûr de lui qu'il nous a redonné courage. » « D'où te venait cette certitude, Saïd ?» demanda Mohamed en plaisantant à demi. La réponse le surprit. Les petits hommes m'ont dit que tu avais simplement été retardé, mais qu'il ne t'était rien arrivé. Depuis quand peux-tu entendre ce que disent les êtres invisibles ? Demanda Mohamed au comble de la surprise. Depuis aujourd'hui seulement, alors que je prie pour toi, répondit Saïd. Ils arrivèrent comme prévu à la Mecque. Saïd avait fait le long voyage sur un petit cheval, tout spécialement acheté pour lui, aussi naturellement que s'il avait toujours été habitué à monter. Mohamed avait constaté avec joie qu'il n'était pas facile de lui faire perdre consonance. Toutefois, l'arrivée au palais des Quraysh ne manqua pas d'ébranler l'équilibre de l'enfant. Il n'avait encore jamais vu pareille demeure au milieu de jardins en fleurs. Et on eut du mal à le persuader d'entrer. La décoration des pièces lui arrachait un cri de joie après l'autre. Tous avaient plaisir à le voir et chacun rivalisait d'ardeur pour lui montrer ce qu'il y avait de plus beau. Le lendemain, Mohamed se rendit au magasin.
Ouaraka l'attendait déjà. La nouvelle de son retour s'était répandue comme une traînée de poudre. Khadija, elle aussi, se hâta de venir saluer celui qu'elle nommait son administrateur. Il souhaita faire sur le champ le compte-rendu de ce qu'il avait réussi à obtenir. Et même si la femme ne désirait nullement parler affaire, elle dut se plier à cette volonté plus forte que la sienne. Mohamed avait beaucoup changé au cours des deux dernières années. Ceux qui étaient restés loin de lui le regardaient avec joie. C'était un homme à présent. Il était fier et assuré, tout en étant bon et affable. Une belle barbe noire et ondulée lui couvrait les mentons et les joues, tandis que de longs cheveux frisés encadraient son fin visage. Sa démarche était souple et tout son corps y participait. L'exposé des comptes dura plusieurs jours. Puis Mohamed voulait savoir tout ce qui s'était passé en son absence. Et Ouaraka fut heureux de pouvoir lui faire également un bon rapport. Ce jour-là, Khadija demanda à Mohamed de bien vouloir l'accompagner dans sa maison, dont il n'avait encore jamais franchi le seuil. Étant donné qu'il venait justement de s'enquérir de pierres précieuses qu'elle conservait chez elle, il supposa qu'elle voulait lui confier ces pierres ou tout au moins les lui montrer. Au lieu de cela, elle le conduisit dans une chambre richement garnie de couches et de coussins, ainsi que de tapis moelleux où le pied s'enfonçait. Et elle l'invita à s'asseoir. L'air saturé de parfums de toutes sortes l'oppressait. J'aimerais que nous parlions d'un certain sujet, Mohamed, dit Khadija qui chercha à tâter le terrain. Sans lui laisser le temps de poursuivre, Mohamed l'interrompit en disant « Es-tu vraiment obligé de me parler dans des appartements? Ne pourrions-nous avoir cette conversation en bas dans le magasin? L'air est ici si lourd et si oppressant. » Mon ami, reprit Khadija. Ce que j'ai à te dire n'a pas grand-chose à voir avec le magasin. C'est ici que nous devons discuter de ce genre de choses. » Il était curieux de connaître la suite. Elle reprit. « Voilà 8 ans maintenant que je suis veuve. Tu as été mon aide pendant pratiquement tout ce temps. Entre tes mains, mon commerce est devenu florissant. Tu es devenu un homme entre-temps. Or, je suis seule et n'ai pas d'enfant. Je ne veux plus vivre dans la solitude. Je sais bien que je suis plus âgée que toi, mais cela peut justement être pour toi une garantie de ma fidélité. Si tu ne veux pas de moi, j'offrirai ma main au premier venu qui acceptera de m'acheter en même temps que le commerce et la maison. » Elle en avait dit plus qu'elle ne l'avait souhaité. Au départ, Mohamed la regardait horrifiée. Il ne s'était pas attendu à une chose pareille. « Arrête, Khadija, supplia-t-il. Ne détruis pas toi-même la blanche fleur de la pureté. » Le ton la toucha. Toutefois, elle le regarda sans comprendre. « Que veux-tu dire par là, mon ami ? » demanda-t-elle. « En quoi le fait de te demander de devenir mon époux et mon compagnon peut-il nuire à ma pureté? Depuis des années déjà, tu es véritablement le maître du magasin. C'est toi qui décides de tout. Il ne te reste plus qu'un petit pas à franchir pour le devenir, effectivement. Il te faudra bien que tu te maries un jour. Moi, tu me connais. Avec moi, tu sais qui tu prends dans ta maison. Réfléchis, mon ami. » Mais fais en sorte que je n'attende pas trop longtemps ta réponse. » Elle aurait bien aimé préciser que beaucoup d'hommes seraient très heureux de recevoir une offre pareille, mais elle sentait que cela ne ferait qu'ajouter à la confusion de cet homme si distant. Aussi préféra-t-elle se taire. Quant à Mohamed, il était abasourdi. Cyril lui avait dit qu'il devait se marier,
Et voilà que la femme s'offrait maintenant à lui. Cela lui était-il envoyé par Dieu? Tout en lui serait volté. Il aurait préféré fuir et ne jamais revenir. Mais il n'avait pas le droit de faire une chose pareille avant d'avoir cherché à connaître la volonté de Dieu. « Je te donnerai ma réponse demain, Khadija, » dit-il le plus aimablement possible. « Ta proposition était tellement inattendue pour moi. Je croyais jusqu'à maintenant que c'était toujours à l'homme de demander la femme en mariage. Tu as fait le contraire. Cela ne me plaît pas. Toutefois, je vais y réfléchir et je trouverai peut-être une réponse. » Il retourna chez lui, sans passer par le magasin. Une foule de pensées l'assaillait. Il se réjouissait de pouvoir tenter de s'éclaircir les idées dans le calme de ses propres appartements. Saïd, avec la fine intuition qui le caractérisait, sentit que son protecteur avait besoin de solitude et se retira distraitement. Toutefois, Mohamed ne réussit pas à rester seul, car Waraka avait besoin de le voir pour une importante affaire commerciale. Une fois les questions de travail réglées, le visiteur ne put se résoudre à quitter son ami. Il le sentait tourmenté par des pensées dont il n'était pas encore venu à bout, et il en devinait la teneur. « Tu es troublé, Mohamed, » commença-t-il affectueusement. « Je suis plus âgé que toi. » Et j'ai davantage d'expérience. Fais-moi confiance. Laisse-moi te donner quelques conseils. Souvent, les choses s'éclaircissent lorsqu'on les exprime avec des mots. Mohamed regarda son ami. Il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Parler avec lui de cette délicate affaire pourrait peut-être effectivement l'aider. Waraka reprit alors. Je connais Khadija depuis l'enfance. Et crois-moi, tu es douée comme personne pour éveiller toutes les qualités qui sommeillent en elle. Tu as déjà fait beaucoup et tu pourras faire encore bien davantage, car Khadija t'aime. Moi, s'écria Mohamed, incrédule et surpris, mais elle ne m'a pas soufflé de moi ce sujet. Waraka eut du mal à réprimer un sourire. Comme cet homme si sage, par ailleurs, connaissait mal les choses de la vie. Il lui expliqua alors. « Mais mon ami, elle te l'aura caché pour toutes sortes de raisons. Elle a conservé un reste de pureté. Bien que la vie qu'elle a été obligée de mener aux côtés de son mari l'ait contrainte à tirer un trait sur bien des choses. » Je suis certain qu'avec toi, elle pourra redevenir une vraie femme. C'était vraiment l'amitié qui poussait Waraka à parler ainsi. Il savait que Mohamed se marierait tôt ou tard, mais qu'il n'oserait jamais se déclarer à une femme. Il faudrait toujours l'encourager, et à cette occasion, il pourrait faire des expériences bien plus amères que celles vécues avec Khadija. Toutefois, au cours de cet entretien, l'âme de Mohamed se libéra d'un poids. Quand Waraka le quitta, il avait retrouvé son calme. Il savait que le mariage ne constituait pour lui qu'un acte purement terrestre. Son âme n'en serait nullement atteinte et ne devait pas l'être davantage à l'avenir. Le pieux frère avait eu raison de lui dire qu'il était nécessaire qu'il connaisse tous les aspects de la vie humaine pour pouvoir guider les autres. Il connaissait Khadija et savait ce qu'il pouvait attendre d'elle. Il était donc prêt à saisir l'occasion qui se présentait. Au moment de faire sa prière, il se remémora son intention de présenter la question au pied du trône de Dieu. Mais à présent, il pensait qu'il ne convenait plus d'agir ainsi, car l'être humain devait régler lui-même ses questions d'ordre purement terrestre, sans importuner le Très-Haut. Il se contenta donc de remercier d'avoir eu si rapidement l'occasion de mettre en pratique le conseil du pieux frère.
Le lendemain matin, il annonça calmement et aimablement à Khadija, toute tremblante, qu'il était prêt à l'épouser. Elle laissa exploser sa joie à un tel point qu'il en fut effrayé. Elle le remarqua et modéra ses ardeurs. Elle insistait à présent pour que la réunion ait bien eu lieu, puisque rien ne s'y opposait. Mohamed, en tant que chef de famille, n'avait d'autorisation à recevoir de personne. Il abandonna à Khadija le soin de faire tout le nécessaire et d'organiser ce qui allait suivre. Une fois de retour chez lui, il fit part à Mustapha du changement qui allait avoir lieu dans sa vie. S'abstenant de tout conseil, le fidèle serviteur apporta une lettre qu'Abd al-Muttalib lui avait confiée avant sa mort à l'intention de son petit-fils, encore bien jeune à l'époque. Il avait pour mission de ne la remettre à Mohamed qu'au moment où celui-ci serait sur le point de se marier. « Tu es un rêveur, Mohamed », écrivait le grand-père. « En grandissant, tu deviendras un sot, préférant sacrifier joie et prospérité ici-bas pour poursuivre des chimères. Je vois parfaitement le chemin que tu emprunteras sur cette terre. Tu t'effaceras toujours et partout devant les autres pour leur abandonner des droits qui te reviennent. De la même manière, ce n'est pas toi qui feras ta demande en mariage, mais c'est la femme qui voudra t'avoir pour époux qui demandera ta main. Il pourra s'en suivre pour toi une détresse infinie si tu rencontres par la suite la jeune fille qui enflammera ton cœur. Mon fils, c'est parce que je t'aime que je vois clairement les choses. J'ai dissimulé mon amour pour toi derrière une terrible carapace, car moi au moins, je ne voulais pas te gâter. Mais je dois te quitter avant que tu ne sois devenu un homme conscient et mûr. Afin d'atténuer quelque peu le malheur que tu ne manqueras pas d'attirer sur toi en raison de ta nature particulière, je te donne à la fois un conseil et le moyen matériel de le suivre. Ne vis pas de l'argent de ta femme, qu'elle garde ce qu'elle possède et l'utilise pour elle-même et pour ses enfants. Toi, vis libre et fière, à ses côtés, mais pas avec elle. Promets-le à celui qui t'a quitté. Tu pourras vivre en paix. Afin que tu ne sois pas obligé de dépendre d'une femme ou de sa famille, sache ceci. À l'intérieur du souterrain, dans un endroit connu seulement de Mustapha, est emmuré un important trésor de pierres précieuses et d'or. Il t'appartient, car c'est pour toi que je l'ai amassé. Personne d'autre que toi n'y a droit. Mais il sera tout de même plus sage de n'en parler à personne en dehors de Mustapha. Utilise cet argent pour toi et pour ceux de tes enfants qui en seront dignes. Ne donne rien à ta femme. Ne lui dis rien non plus. Crois-moi, c'est mieux ainsi. Suivant encore quelques conseils concernant l'utilisation du trésor, le grand-père terminait sa missive en bénissant son petit-fils. La lettre était tombée des mains de Mohamed, resté debout, pétrifié. Puis il se ressaisit et remercia tour à tour le Seigneur et son ancêtre défunt. Il était conscient de tout ce que cette indépendance matérielle représentait pour lui. « Seigneur, si tu m'appelles à présent pour être ton instrument, je n'aurai plus besoin de me préoccuper un seul instant de questions matérielles, exulta-t-il. Je serai libre de faire tout ce que je veux et tout ce que je dois. » Il était fermement décidé à ne toucher moi à personne de ce trésor. Il n'en parla qu'à Mustapha, afin de juger de l'importance de cet héritage inattendu. Ils décidèrent d'ouvrir ensemble, au cours d'une des prochaines nuits, le passage conduisant à la cachette emmurée. Ils avaient l'intention de n'en extraire qu'une petite partie
et d'en murer à nouveau le reste. Lorsque ce fut fait, Mohammed sut qu'il était bien l'homme le plus riche de toute la Mecque. Il s'en réjouit, car cette richesse était pour lui synonyme de liberté. Il s'entretint alors avec Khadija et lui demanda comment elle envisageait l'organisation de la vente à l'avenir. Elle pensait qu'ayant été implicitement le maître jusqu'à présent, il fallait maintenant qu'il le devienne réellement. « Et Waraka ?» demanda-t-il avec insistance. « Que va-t-il devenir ?»« L'importance du commerce ne justifie pas nos deux présences. »« Alors, qu'il s'en aille comme il est venu ?» répondit Khadija avec insouciance. « Nous n'en l'avons pas fait venir et nous ne le retiendrons pas non plus. » « Ce n'est pas mon avis, » répliqua gravement Mohammed. « J'aimerais au contraire qu'il prenne la direction du magasin, étant donné que je n'ai pas l'intention de m'occuper de commerce à l'avenir. »« Mon ami, tu crois sans doute que je suis assez riche pour te permettre de mener une vie oisive, » dit-elle d'un ton tranchant. Mohammed comprit combien son grand-père avait vu juste. Comme il était heureux de ne pas être obligé d'accepter la moindre somme d'argent de la part de sa femme. « Tu fais erreur, Khadija, » dit-il calmement. « Je ne vais pas mener une vie oisive, bien au contraire. Elle sera tellement remplie que je n'aurai plus le temps de m'occuper de ton commerce. Cependant, je n'aurai nullement besoin de ton argent. J'ai suffisamment de biens pour survenir à mes propres besoins. Tout ce qui t'appartient, tu pourras l'utiliser pour toi. » Elle se rendit compte qu'elle avait fait un mauvais calcul en s'imaginant pouvoir tenir un homme sous sa coupe grâce à sa fortune. L'idée lui vint de renoncer au mariage. Mais comme l'avait dit Waraka, elle aimait vraiment cet homme, tellement plus jeune qu'elle. Elle demanda alors à Mohammed quelle profession il comptait exercer à l'avenir. Il lui répondit que cela ne concernait que lui et qu'elle l'apprendrait plus tard. Il aurait d'ailleurs été bien incapable de le lui dire, ne sachant rien lui-même. Quelque chose au cours de la conversation l'avait poussé à parler ainsi. Il lui fallait à présent se tourner vers le Tout-Puissant pour recevoir ses directives. La nuit même, il apprit qu'il avait eu raison de se libérer des affaires dont il s'occupait. Il n'avait qu'à attendre en toute quiétude, car lorsque le moment serait venu, une offre se présenterait à lui et il lui faudrait l'accepter. Il retrouva alors son calme et attendit avec confiance la suite des événements. Toutefois, il était ennuyé à l'idée d'être obligé d'emmener Khadija dans le palais de ses pères. Elle n'était vraiment pas en harmonie avec le luxe discret et raffiné qui régnait dans cette demeure. Il lui semblait déjà entendre sa voix criarde à travers salles et galeries. Cela l'angoissait. Il aurait souhaité en parler avec un homme plus âgé. Mais Mustapha, en tant que serviteur, ne pouvait être mis dans la confidence. Et Waraka était de la famille de Khadija. Or, ce fut Waraka qui aborda lui-même la question. Il fit remarquer à Mohammed que la coutume était certes que l'homme emmène sa femme chez lui, mais que lorsque cette femme était veuve et possédait une maison, l'homme devait en général partager cette maison avec elle. Voilà donc pourquoi Abu Talib avait quitté le palais si facilement. Khadija avait envoyé Waraka vers Mohammed, car elle craignait que ce dernier n'exigeât qu'elle vienne s'installer au palais. Elle aimait sa maison et ne voulait pas la quitter, à aucun prix. L'un et l'autre étaient à présent soulagés. Mohammed dit à Mustapha que son mariage ne changerait rien à la vie au palais. Tous les serviteurs y travailleraient comme auparavant. Et Saïd continuerait à se rendre à l'école du temple où son protecteur l'avait inscrit depuis quelques semaines.
Mohamed, lui, serait bien obligé de vivre de temps à autre dans la maison de Khadija. Mais il reviendrait toujours au palais. Cette nouvelle remplit de joie les vieux serviteurs qui s'efforcèrent plus que jamais de lui rendre